Contrairement à l'an dernier, Maradja arrive à Grosbois, auréolé de 4 succès. Certes, dans des épreuves peu relevées. Mais ses courses ont donné à l'entraîneur, comme au cheval, un moral d'acier. Sa préparation est un sans faute, y compris le travail de ce jeudi. Maradja a fait 4 intervalles de 1000 mètres sur la ligne droite et ceux sur le pied de 1,30. Je l'ai laissé glisser dans le dernier intervalle. Là, il me semble très bien, il est en train d'atteindre la forme nécessaire en fait, pour lutter pour la victoire à Vincennes. Bien sûr, on va peaufiner sa préparation dans le Prix de Belgique. Il faut savoir qu'il n'est qu'à 90% de ses moyens pour l'instant. Avec une course de plus dans les jambes, à mon avis, il sera au top pour le Prix d'Amérique. Comme l'an dernier, le Prix de Belgique n'est pas un objectif en soi. Mais Maradja aura des atouts par rapport à ses courses précédentes. Ah là, il sera sans doute muni d'œillères, même s'il était très frais à l'entraînement aujourd'hui. En tous les cas, il est déclaré déféré des antérieurs. Maradja n'a pas été harnaché de cette manière depuis l'hiver dernier. Cela fait maintenant 3 ans que l'entraînement du champion ne tourne qu'autour du Prix d'Amérique. Son entourage a encore le droit d'en rêver. Maradja. Pour moi, j'ai toujours espoir que Maradja puisse un jour gagner le Prix d'Amérique.